Ah non, c'est pas vrai. Ok. Jemima, vous pouvez me laisser faire mon direct tranquillement? Non, vous jouez pas ici. Allez dans l'autre salon. Pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. T'es vilaine? Est-ce que t'es vilaine? Est-ce que t'es vilaine? Est-ce qu'après tu vas me demander de te mettre Peppa Pig? Alors, si tu veux Peppa Pig, tu me laisses faire d'abord mon émission. D'accord, donne-moi 5 d'abord, comme ça. On est d'accord? Bien. Je finis l'émission, je te mets Peppa Pig, d'accord? Promis. Je t'aime. Tout à l'heure. Oh, eh oh. Allez là-bas alors. C'est Peppa Pig. Non, s'il vous plaît, allez alors là-bas, allez jouer de l'autre côté. Ok, bless you in Jesus' name. Bless you. D'accord. Bless you. In Jesus' name. Mariam, va là-bas. Bonjour, bonjour à chacun. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Voilà. Pour faire l'émission de ce matin, on est en guerre avec Jemima et consorts. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Oh, bonne arrivée à Mirabel Equa. Bonne arrivée à Fanel Foka. À Lucienne Cécile Nzadi. Au prophète Jérémie. Bonjour, fils. Damaris Iso. Marie-Noël Kwamen. Bonjour. Talom Klo Kamga. Prophétesse Nathalie Meyo. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel Loïc Mbala. Comment va la France? Prophète Jephté, que Dieu vous bénisse. L'apôtre Sana Eric, waouh, beaucoup d'hommes de Dieu ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Adèle Penda et Blandine Nodem. Jemima, s'il te plaît, s'il te plaît, allez jouer de l'autre côté. Pardon, je vais te mettre Peppa Pig après. Tu veux Peppa Pig, même Mama Pig, je te mets. Jemima. Moi, je suis Peppa Pig. Toi, tu es quoi, bébé Pig? Ok, oh. Voilà. Quand on est à la maison, vous savez, c'est normal. Entre responsabilité familiale, pastorale, je vous assure que ça demande beaucoup de responsabilité et de bonne conscience. Que Dieu vous bénisse. Benjamin Boro, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Vraiment, que la main de Dieu soit sur vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de partager la vidéo, d'inviter les gens dans le groupe. Parce que vous savez, nous allons parler des choses sérieuses qui concernent le christianisme. On va discuter ensemble. Donc, partagez la vidéo dans vos groupes. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner. Et si vous n'avez pas encore aimé notre page, appuyez sur le pouce bleu, j'aime. Tout simplement, activez le pouce bleu. On a besoin rapidement de 12 000 pouces bleus d'abord. Comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse, nous gagnons des points pour la gloire de Jésus-Christ. Prophète Ézéchiel, bonjour. Voilà. Einstein, Étienne. Waouh, ça c'est un nom terrible. C'est pas Einstein, c'est Einstein, Étienne. Que Dieu vous bénisse. Miguel Douga et Kofi Konan, Arsène Eloge. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Prophétesse Nathalie, oh, très heureux d'avoir cette grande femme au milieu de nous. Que Dieu la bénisse. Nous, vous savez que quand on commence à apprécier ce que les artistes font au Cameroun, certaines personnes, je ne sais pas si c'est mal intentionné ou bien qui sont immatures en ce qui concerne certaines choses, certaines réalités spirituelles, disent, oh non, c'est la compétition et tout ça. Je pense qu'il faut être tranquille.
servons le Seigneur, tout simplement. Nous avons apprécié ce que Baboké a fait, Indira Baboké a fait lors du concert. C'est normal que lorsque quelqu'un dans l'église bat un record, qu'on puisse célébrer le Seigneur. Célébrons nos héros. Donc j'ai fait un post là-dessus pour dire que vraiment elle a fait pour l'église quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Organiser un concert comme ça au sein de l'église du Cameroun, c'est à féliciter. Les gens ont dit que voilà, c'est la compétition entre tous. Non, il faut faire attention. La prophétesse Nathalie Meyo, je l'appelle ma Céline Dion, parce qu'elle a une voix terrible. Bon, dit qu'elle a une belle voix, les autres artistes ne diront pas que ok, c'est dans la comparaison des voix qu'on fait. Non, s'il vous plaît. Ne soyons pas esclaves des stéréotypes. Ne soyons pas esclaves des idées préconçues. C'est-à-dire, ne soyons pas sur le pied de guerre. Qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut toujours chercher ce qui est mauvais. D'autres disent que la gloire n'a pas été donnée à Jésus-Christ. Je n'ai pas rendu gloire à Jésus-Christ. Lorsque je dis que ce trophée, elle est un trophée pour l'église de Dieu. Ce qui est trophée pour l'église est trophée pour le ciel. Et dit, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit à Pierre, « O ean deses epides ges estai de demenon en tois uranois. O ean luces epides ges estai le demenon en tois uranois. » Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Ce que l'église apprécie sur la terre est apprécié par le ciel. Donc il faut comprendre, on parle de l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Donc, cet esprit de bassesse, de jalousie, faut pas faire comme ça. Que Dieu nous aide, que nous délivre de mauvaises intentions. Donc, nous avons la responsabilité. Moi, en tant que une colonne dans l'église du Cameroun, aujourd'hui étant une des voix majeures qui crie dans la nation du Cameroun, je pense que j'ai parlé avec autorité. Et je redis encore que nos artistes, il y a un jeune artiste qui a prêché lors du concert d'Indira. Il a mis les gens debout, il a fait danser tout le monde. Il faut apprécier. Quand on apprécie, il est une gloire lui aussi pour l'église. C'est une gloire pour l'église. Il faut faire attention. C'est une gloire pour l'église. Reconnaissons les gloires. La Bible dit qu'ils injurient les gloires. Il y a des gens que Dieu a fait d'eux, des gloires. Je ne connais pas bien son nom. Il y a la prophétesse Nathalie Meyo. C'est des gloires dans le gospel au Cameroun, pour l'église du Cameroun d'abord, et puis pour l'église africaine, et puis l'église dans le monde. Donc je pense que s'il vous plaît, n'injurions pas nos gloires. Lorsque quelqu'un mérite, donnons-lui l'honneur qui lui est dû. Vous voyez, il y a des personnes que Dieu a données comme des trophées pour l'Église. Quand on parle de trophées, c'est-à-dire que c'est une fierté, c'est un sujet de fierté. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je n'ai pas de jalousie dans mon cœur. Quand Dieu fait du bien à quelqu'un et Dieu utilise quelqu'un pour faire quelque chose pour son nom, si c'est vraiment que nous sommes serviteurs du même Jésus et que c'est l'intérêt de Jésus qu'on cherche, je ne trouverai pas dans le succès d'autrui un sujet de mésire, un sujet de jalousie, un sujet de racontage, ou bien je ne sais pas. Non. Si c'est vraiment le but de Christ que nous servons, si c'est vraiment la gloire de Jésus-Christ que nous cherchons, si tu fais et que ça glorifie Jésus, j'applaudis. Et sincèrement, sans hypocrisie. Mais si tu fais et que je suis jaloux, ou alors que quand on apprécie, je trouve en ces appréciations des motifs négatifs, alors ça veut dire que je doute que ce soit le même Jésus que toi et moi nous servons. Je doute, je te dis la vérité, je doute. Donc je pense qu'ayons des cœurs purs devant Dieu. Faisons chaque chose pour la gloire de Christ et pour la gloire de Christ uniquement. Et apprenons à célébrer la faveur de Dieu dans la vie des autres. Tant que tu n'arriveras pas dans ta vie à célébrer l'œuvre et l'action de l'Éternel dans la vie de tes frères et de tes sœurs, on ne célébrera jamais l'œuvre et l'action de l'Éternel dans ta vie. Manifester de la jalousie envers quelqu'un que Dieu a visité, c'est retarder ta propre saison de visitation. C'est une loi éternelle. Écoutez, la Bible dit, Jésus-Christ l'a dit, c'est ce que j'appelle la loi de l'épée. Il dit, celui qui tuera par l'épée mourra. Donc ça veut dire que si tu hais quelqu'un, d'autres seront suscités pour te haïr. Le mal que tu fais autrui, en fait, c'est à toi-même que tu le fais. Donc il faut que nous comprenions les principes simples du christianisme. Ça, ce sont les béabas du christianisme. Donc, je célèbre Indira Baboké, je célèbre Nathalie Meyo, je célèbre tous ces valeureux artistes camerounais qui élèvent l'image de l'église au Cameroun. Regardons, par exemple, Dena Mwena. Je crois que je n'ai pas écorché son nom. Dena Mwena. Elle est la fierté, elle est congolaise, j'espère. Ma femme, elle est congolaise. Donc, vous voyez, elle est congolaise. Nous célébrons, mais nous prions aussi que le Cameroun soit connu à l'extérieur, comme il a été connu par le football, qu'il soit aussi connu par les artistes
camerounais. Que nos artistes soient capables d'aller en France, aux États-Unis, organiser des grands concerts et tout ça. Donc, quand on voit un artiste avoir de la vision, comme Indira Baboké l'a fait, non, mais il faut faire attention, il faut célébrer cela. L'Église au Cameroun sera obligée d'être délivrée de l'immaturité. Je me souviens quand la chapelle de la gloire avait été inaugurée. Vous savez, nous parlons de grandes choses dans l'espace-ci. Vraiment, si quelqu'un est fâché, je m'en fous, c'est son problème. Prie que Dieu te donne la paix. La Bible dit, si quelqu'un d'un autre avis, Christ l'éclairera. C'est ma prière ce matin. Donc, on a ouvert la chapelle de la gloire. Il y a eu le représentant du chef de l'État lui-même. Il y a eu des ministres qui sont venus. Et puis, ça tourna dérision dans l'église. On a commencé à raconter que non, c'est des sorciers. Parce qu'ils sont à la présidence. Tu ne peux pas être à la présidence sans être homosexuel ou bien sans être dans la magie ou bien dans les sectes pernicieuses, dans les cercles ésotériques. Et puis, j'ai dit, mais c'est de la bassesse. Vous voyez, j'ai dit une chose, j'avais expliqué à cette époque que la prouesse que la chapelle de la gloire a réalisée n'est pas seulement pour la chapelle de la gloire, c'est pour nous tous, c'est pour tout le corps de Christ. Vous voyez, c'était la première fois dans l'histoire de notre nation où on voyait des officiels du gouvernement en aussi grand nombre, des ministres en aussi grand nombre rassemblés en un seul lieu, juste pour célébrer l'inauguration de la maison de notre Dieu, frère. Où est le mal des dents? Ils ont fait ce que nous, on n'a pas pu faire. Moi, j'ai inauguré ma part, même pas un seul ministre était là-bas. C'est un don que Dieu leur a donné. Et cette fierté, c'est pour nous. Je m'identifie à eux. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient à Christ. Et je m'identifie aussi à eux. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Ce n'est pas une question de jalousie. L'esprit de compétition entre les enfants de Dieu, entre les serviteurs de Dieu, entre les églises, je vous dis, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. L'un des commandements derniers que Jésus nous a donné. Il a dit, je ne vous donne pas un commandement nouveau. Hein. Là, vous avez les 10 commandements. J'ai juste un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Soyez un. Comme moi et le Père, nous sommes un. Comme je suis dans le Père est en moi. Soyez les uns dans les autres. Et nous sommes venus sur le lavement des pieds. Le lavage des pieds. Et j'ai parlé de ça hier. On a vu dans Jean chapitre 13, à partir du verset 1, que lorsque Jésus-Christ était avec ses apôtres, il s'est saint les reins et puis il a pris une bassine, il s'est mis à laver les pieds de ses apôtres. Et quand il est arrivé au niveau de Pierre, Pierre lui a dit, Seigneur, si je ne peux pas accepter que tu me laves les pieds. Non, je ne peux pas accepter. Et Jésus dit à l'apôtre Pierre que ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Et j'ai expliqué que quand on dit part avec moi, Jésus voulait dire part avec lui dans son royaume. Il disait que si quelqu'un n'avait pas les pieds lavés par lui dans cette audience-là, cette personne n'aurait pas part à la vie éternelle, n'aurait pas part à l'héritage que Christ avait pour l'Église. Bon, maintenant, l'apôtre Pierre a accepté et on lui a lavé les pieds. Et Jésus-Christ a dit, si moi que vous appelez votre maître, je vous ai lavé les pieds, à combien de fois de raison vous devriez-vous vous laver les pieds les uns les autres? Et il a institué le lavement des pieds. Et j'ai expliqué que ce lavement de pieds avait une dimension et avait une signification pluridimensionnelle. Pluridimensionnelle, pourquoi? Parce que, premièrement, ça faisait référence aux ablutions. À l'époque, tous les voyageurs devraient se laver les pieds avant d'entrer dans une maison. Ça dit faire des ablutions avant d'entrer dans une maison ou bien d'entrer dans le temple pour adorer. Donc, c'était un signe de purification. Et pour les apôtres aussi, c'était, j'ai expliqué que parallèlement, c'était un symbole. Parce que nous qui marchons avec Dieu, nous sommes des pèlerins. La Bible nous appelle des pèlerins, ça dit des voyageurs. On est étrangers sur la terre. Rien ne nous appartient sur la terre. C'est ça la vérité. Autant de maisons que vous avez, autant de voitures que vous avez, autant de belles, de beaux vêtements que vous avez, vous mourrez, vous laisserez toutes ces choses-là. Donc, ça ne vous appartient pas, ça ne nous appartient pas. On est des pèlerins. Et donc, comme Jésus a lavé leurs pieds, l'image du voyageur dont le pied a été sali par la poussière du désert et qui maintenant, par l'eau, est purifié, c'était l'image du voyage que nous avons avec Dieu. Et qui, pendant ce voyage, nous salissons nos pieds. Nos pieds prennent de la poussière. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses en nous, il y a des erreurs en nous, il y a des péchés en nous qui peuvent s'accrocher en nous. Ça peut être la colère, ça peut être la médisance, ça peut être la jalousie, ça peut être la calomnie, ça peut être la convoitise, etc. Le mensonge, la moquerie, etc., etc. Dans toutes les manières, nous nous salissons. Que tu le veuilles ou pas, volontairement ou involontairement, il y a toujours quelque chose à reprocher à nos vies. Parce qu'en réalité, la Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes menteurs.
C'est-à-dire, nous sommes menteurs, nous mentons à nous-mêmes. Et la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a octroyé par héritage la sainteté de Christ et la vie de Christ nous aide à nous identifier à cette sainteté. Donc, nous prenons de la poussière. Nous prenons de la poussière. Il n'y a pas un des chrétiens qui se masturbe. C'est de la saleté. C'est de la poussière qui s'attache à leurs pieds en tant que pèlerins. Donc, Jésus-Christ, par cette eau, a lavé les pieds des apôtres comme pour dire qu'il est l'eau de vie qui nous lave de nos souillures. Donc, c'était une eau de purification. C'est une eau d'épuration spirituelle. C'est une eau qui a une double action expiatoire et propitiatoire. Donc, voilà un peu la première signification que cela voulait donner. Et j'ai expliqué que quand vous regardez, il y avait aussi l'esprit de service dans la deuxième explication de cet acte de Jésus-Christ, l'esprit de service. Jésus dira aux apôtres, c'est moi qui suis votre maître, que vous appelez Rabbi. J'ai fait cela, vous devriez le faire les uns les autres. Donc, Jésus demandait que nous servions les uns les autres dans l'humilité. C'est-à-dire que je dois laver les pieds de mon frère lorsqu'ils sont sales et mes pieds doivent être lavés par mon frère lorsqu'il remarque la saleté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Lorsque nous remarquons la saleté sur les pieds de nos frères, on va aller dire ça dans des chaînes de radio. C'est là qu'on ira prêcher. Ça fait le thème de notre message sur nos pupitres. Oh, il y a un prophète là-bas, ses pieds sont sales. Oh, il y a un servant de Dieu là-bas, ses pieds sont sales. Et là, tu ne fais plus ce que Jésus-Christ nous a ordonné. Et j'ai expliqué que c'est un rite. C'est un rituel. Il y a, par exemple, dans le christianisme, un rite qu'on appelle un rite initiatique. Vous voyez, un peu comme les Rosicruciens, ils ont des rites initiatiques où ils font ça. Ça veut dire que tu viens d'être introduit dans la Rose-Croix ou bien dans la franc-maçonnerie. Le baptême d'eau est un rite initiatique dans le christianisme. Ça veut dire qui vous donne accès à la grande famille des chrétiens. Celui qui se baptise fait accès, c'est-à-dire il accède à la famille des chrétiens. Et la Sainte Seine est aussi un rite initiatique chrétien, initié par Jésus-Christ, qui dit... À chaque fois, faites ceci en mémoire de moi. Ouais. C'est ça qui nous identifie, qui nous différencie des autres. Ce qui fait de nous des chrétiens, des croyants pratiquants, c'est le baptême d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Sainte Seine. Un chrétien qui n'a pas part à la Sainte Seine ne s'identifie pas à Christ et au corps de Christ. Ouais. C'est très important. Et puis, on a le lavement des pieds. Le lavement des pieds, il y avait l'esprit de service dedans. Si je vois tes pieds sales, je dois les laver. C'est un devoir, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'humilité. Et on ne lave pas les pieds étant debout. Il faut se courber. Et se courber, c'est le rabaissement. Et c'est ça le sens même de l'humilité. L'humilité, la définition de l'humilité, c'est l'acceptation volontaire de s'humilier pour laisser l'autre s'élever au-dessus de nous. Celui qui lave les pieds des autres est courbé et les autres ont comme une position de supériorité sur lui. C'est accepter l'ascendance des autres et me rabaisser volontairement pour les servir. Donc, voilà un peu ce que Jésus-Christ nous a enseigné à travers le lavement des pieds. C'est pour cela que lorsque j'étais en train de prier, quand nous sommes rentrés du culte dimanche passé, dans ma chambre, le Seigneur m'a dit, « Ok, écoute, tu vas établir tout le mois de mars, ça sera 4 cultes de lavement de pieds. Vous allez laver les pieds de mes brebis. Chacun va s'identifier à moi. » À travers cela, le Seigneur va nous épurer de toute saleté spirituelle. Comme l'eau physique là lavait les saletés physiques des pieds des apôtres, de même, cette eau qui est spirituelle lavera nos saletés de nos pieds de pèlerins spirituels. Maintenant, j'ai expliqué la puissance de l'eau dans le ministère de Jésus. La puissance de l'eau. Par exemple, la Bible appelle Jésus-Christ le charpentier, vous voyez. Tous ces mots ne sont pas un hasard. Ça a une lourde implication spirituelle dans notre foi en tant que chrétien. Un chrétien qui ne comprend pas la place de l'eau dans la foi chrétienne et dans le ministère de Jésus-Christ est un chrétien qui a manqué une bonne partie de la puissance du christianisme et de la définition même, la déontologie de la chrétienté. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsque nous parlons, nous prenons par exemple dans Matthieu 13, 55, je vais revenir pour vous montrer l'eau, le ministère de l'eau dans la vie de Jésus-Christ et dans ma vie en tant que croyant aujourd'hui. Quand vous lisez par exemple Matthieu 13, verset 55, la Bible dit ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Dans Marc 6, verset 3, les Juifs vont poser la même question. N'est-ce pas le charpentier? Maintenant, on ne dit pas qu'il est fils du charpentier. Mais on dit, n'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc, vous remarquerez que dans Matthieu 13, 55,
on appelle Jésus-Christ le fils du charpentier. Cependant, dans Marc 6, 3, on l'appelle lui-même le charpentier. Et nous savons tous qu'en Israël, à l'époque, chaque fils faisait le métier de son père. Chaque fils était à l'école du métier de son père. Ça veut dire que tous les garçons travaillaient avec le père. Par exemple, l'apôtre Paul, nous savons que cet homme avait les moyens. Pourquoi? Parce que c'est son papa qui avait gagné, qui avait la société de tannerie nationale en Israël à l'époque. C'est-à-dire que tous les sacrifices qui se faisaient en Israël, c'est le père de l'apôtre Paul qui avait gagné ce marché-là. Toutes les peaux, c'est lui qui les achetait. Et il était un faiseur de tentes. Et donc l'apôtre Paul, en grandissant, a grandi dans la société de son père. Voilà pourquoi, lorsqu'il a grandi, quoi qu'étant apôtre, il a continué à fabriquer des tentes. On l'appelait le faiseur de tentes. Donc c'est la même chose. Le père adoptif de Jésus-Christ était charpentier. Et donc on appelle Jésus charpentier, pourquoi? Parce qu'on le voyait travailler sur les maisons, bâtir des maisons. Est-ce que c'était un nom anodin? Non. C'est quoi un charpentier? Un charpentier, c'est une personne qui a l'art de faire revivre le bois lorsqu'il est mort. Il redonne la vie au bois lorsque le bois est mort. Ça veut dire quoi? Un charpentier va venir trouver un tronc d'arbre qui est abandonné, un tronc d'arbre qui est rejeté en brousse, qui n'a plus de valeur pour personne. Et il va prendre ce tronc d'arbre qui est mort, il va lui redonner la vie en fabriquant par exemple un lit sur lequel quelqu'un pourra se reposer, et fabriquer une table sur laquelle une famille pourra revenir pour s'asseoir et manger, et ou bien sûr fabriquer des sièges, des canapés qui reprennent vie sous une autre forme, pas sous la même forme, sous une autre forme et dans des maisons d'habitation et qui donnent aussi la vie aux maisons. Donc vous voyez que le tronc d'arbre qui était jeté dans la forêt, le charpentier est capable de lui redonner la vie, le prendre et en faire quelque chose de vivant, quelque chose d'utile. Quelque chose qui vit sous une autre forme. Ce n'est plus un arbre, maintenant c'est un lit. C'est plus un arbre, c'est un canapé. C'est plus un arbre, ce sont des meubles. C'est plus un arbre, c'est un salon, vous voyez. Donc, il redonne la vie. Et Jésus-Christ, en tant que charpentier, dira, « En tau tete petra, oikodomeso muter ecclesia. » Oikodomeso veut dire « je construirai, je bâtirai ». C'est ça le travail d'un charpentier. Il est venu pour nous bâtir, nous qui étions morts, comme ces troncs d'arbres, rejeté en brousse partout, oublié, sans valeur. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir tegnateu genestai. Il leur a donné le pouvoir d'être engendré par Dieu. Et la Bible dira, Paul expliquera mieux le ministère de charpente ou de charpentier de Jésus dans 2 Corinthiens 5, 17. Oseisis en Christo, kahine ketisis. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. De même que ce tronc d'arbre qui est rejeté devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, se change en table, se change en lit, se change en ceci ou en cela. De même, nous qui étions pécheurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Jésus-Christ nous prend en tant que tronc d'arbre mort et il nous redonne la vie. C'est-à-dire, il fait de toi une table dans sa maison, il fait de toi un lit dans sa maison, il fait de toi un meuble dans sa maison, il orne la cuisine dans sa maison. Dans tous les cas, il te redonne la vie, tu deviens vivant. Et par toi, beaucoup commencent à vivre. Donc, chaque nom que Dieu a porté, chaque nom que Jésus-Christ a porté avait une signification, une portée spirituelle. Chaque acte que Jésus-Christ a posé avait une portée spirituelle. Donc, c'était pour vous expliquer tout simplement. Et quand on l'appelle le berger, on reviendra sur cela. Pourquoi c'est des bergers qui ont été les premiers à voir Jésus-Christ? On reviendra sur cela. Il dira... Ego eimi he opohine no kalon. Moi, je suis le seul bon berger. Vous voyez. Donc, maintenant, lorsque nous revenons dans l'explication de l'eau, parce que nous avons quatre grands dimanches de service de lavement de pieds à Réma, à la Bire, à Yaoundé, on aura deux cultes de 7h à 10h, de 10h à 13h, et à Douala, à Ndokbon, ce sera à partir de 16h. Donc, regardez le mystère de l'eau. Regardons le mystère de l'eau. Jésus-Christ a manifesté plusieurs fois le ministère de l'eau pour nous montrer la puissance que l'eau devrait avoir dans la vie du croyant. Il y a deux choses. J'ai lu dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 7, la Bible dit qu'il n'est pas venu avec du sang seulement, mais aussi avec de l'eau. Là, ça doit d'abord interpeller chaque croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'est pas venu avec du sang seulement, mais il est aussi venu avec l'eau. Waouh! L'eau, pourquoi? Il est venu avec le sang. Quel est le rôle du sang et quel est le rôle de l'eau? La Bible explique clairement que Jésus-Christ, en venant sur la terre, est venu avec deux éléments. Le sang et l'eau.
le sang et l'eau. Et chacun de ces éléments a un rôle. Chacun de ces éléments a une mission. Chacun de ces éléments a un ministère à rendre aux croyants. Et il est très important de maîtriser le ministère de ces deux éléments, l'eau et le sang. Maintenant, lorsqu'on dit l'eau et le sang, j'ai essayé d'expliquer hier le rôle du sang. J'ai expliqué le rôle du sang hier. Et j'ai dit que le sang a une double action. Une action expiatoire et propitiatoire. Voilà. Donc le sang, c'est pour la purification de nos péchés. Le sang lave nos péchés. Et le sang guérit aussi. Parce que le sang a coulé des meurtrissures. Et Paul dit pas ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc les meurtrissures de Jésus nous guérissent aussi. Donc, voilà un peu le rôle du sang dans la vie du croyant. Le sang nous a réconciliés. C'est par ce sang de la nouvelle alliance que nous sommes réconciliés. Donc quand nous lisons, il dit, c'est lui Jésus, Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est 1 Jean chapitre 5, le verset 6. Il dit, l'esprit, l'eau et le sang, il dit, trois rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc il y a trois qui rendent témoignage. Dans le christianisme, il y a trois choses fondamentales. Il y a l'esprit, il y a l'eau et il y a le sang. L'esprit, c'est lui aujourd'hui qui prépare l'église pour l'enlèvement. C'est lui qui nous amène à la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il prend de ce qui est de l'époux pour enseigner à l'époux. C'est lui qui nous prépare, il nous part pour l'enlèvement, pour le retour, le second retour du Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher pour la félicité suprême. Maintenant, on a le sang. Le sang a fait son rôle en nous réconciliant avec Dieu, vous voyez, et en pardonnant nos péchés, en guérissant nos maladies spirituelles et nos maladies physiques. Et maintenant, l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau a plusieurs actions dans la vie du croyant. L'une des premières actions, j'ai commencé hier, je vais faire le résumé tout simplement. Premièrement, Jésus-Christ a longtemps enseigné sur l'eau. Et Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hein? Certains disent jailliront. Certaines versions disent jailliront. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc ici, Jésus parle du ministère de l'eau. Il dit, si quelqu'un croit, il doit être en communion avec le ministère de l'eau. Il doit porter cette source d'eau en lui. Et cette source doit jaillir. Hein? Des sources d'eau vive doivent jaillir de cette personne. Donc, chaque croyant doit porter en lui de cette eau-là qui est en Christ. Et vous remarquerez que quand Jésus-Christ était sur la croix, il y a eu deux choses qui ont rendu témoignage. Il y a eu le sang qui a coulé et l'eau qui a jailli de son flanc. L'eau a jailli de son flanc. Donc, Jésus portait en lui de l'eau vive. Il était une source d'eau vive. Maintenant, tout au long de la vie du Seigneur Jésus-Christ, il a été en communion avec cette eau-là. J'ai donné l'exemple du puits de Jacob. Lorsque Jésus était fatigué et qu'il était avec les apôtres, il n'est pas allé s'asseoir sur une colline. Il s'est passé sur une pierre. Il s'est assis au bord de l'eau, au bord du puits de Jacob qui était un héritage de Dieu pour Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est assis là. Et il y avait une comparaison entre l'eau de l'ancienne alliance et l'eau de la nouvelle alliance. Et il enseigne donc à la femme cananéenne, la femme, c'est une cananéenne, à la femme samaritaine, et lui montre la différence entre l'eau de Moïse et l'eau de la nouvelle alliance. L'eau de l'ancienne alliance et l'eau de la nouvelle alliance. Parce que si Jacob a bu de cette eau, Moïse aussi a bu de cette eau-là. Donc, comme pour dire que l'eau que Jésus représente pour nous est supérieure à l'eau de l'ancienne alliance, parce que l'eau de l'ancienne alliance, ceux qui l'ont bu sont morts de soif. Tandis que l'eau de la nouvelle alliance, ceux qui la boivent sont désaltérés à jamais. Une autre fois, la Bible expliquera que, ici là, la Bible expliquera que cette eau-là nous désaltère de notre soif. Ça veut dire que si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Soif de la vie éternelle, parce que tu seras désaltéré. Tu auras la vie éternelle. Tu n'auras pas soif de la santé ou bien soif du mariage ou soif je ne sais pas de quoi. Toutes les soifs spirituelles, toutes les soifs de l'âme et de l'esprit, cette eau-là peut les désaltérer. Et Jésus, un jour, pendant qu'il marchait avec les apôtres, est arrivé à un certain endroit où on revendiquait les impôts. Il fallait payer les impôts. Et Jésus-Christ n'avait-il pas l'argent? On ne sait pas. Mais nous savons une chose, c'est que Judas gardait la bourse de Jésus-Christ. Donc Jésus avait toujours l'argent avec lui. Mais Jésus va poser une action. Il dit à l'apôtre Pierre, va au niveau du fleuve, prends la maison, jette dans l'eau et pêche un poisson. Le poisson que tu pêcheras,
ouvre son ventre et prends l'argent, nous allons payer les impôts pour moi et pour toi. Ici, Jésus montre encore sa relation avec cet eau-là. Mais ici, le ministère de cet eau est un ministère de restitution. C'est-à-dire un ministère qui peut récupérer ce que le poisson avait avalé de ta vie, de ta destinée, pour te le rétrocéder. Donc, Jésus montrait que le ministère de l'eau a une partie, a un côté de restitution. Ou, c'est-à-dire, un côté qui peut obliger à l'ennemi qui a avalé notre richesse, notre étoile, notre bénédiction, de vomir ces bénédictions-là. Donc, cette eau, dans son rôle, peut obliger à l'ennemi de me restituer ce qu'il avait avalé de ma vie, comme ce poisson avait avalé l'argent qui appartenait à Jésus-Christ. Et c'est par le ministère de l'eau, hein, c'est par le ministère de l'eau que Jésus-Christ est entré en contact avec son argent et son dû. Et voilà comment il a résolu un problème financier dans sa vie, à cause de l'eau, le ministère de l'eau. Donc, on peut multiplier des exemples comme cela. À chaque fois que Jésus-Christ voulait avoir un impact sur la foule, il montait sur une barque et il avançait dans l'eau. La Bible dit qu'il avançait dans l'eau. Vous voyez? Donc là, on voit un rapport entre Jésus et l'eau. Et pourquoi il le faisait? C'était pour impacter sa génération. Il y a une influence, il y a un écho. Quand tu es dans une barque et que tu t'éloignes un peu du rivage, lorsque tu parles, il est montré scientifiquement que le son de ta voix frappe les vagues et les vagues vont amplifier ta voix naturellement. Et même s'il y a 12 000 personnes, 15 000 personnes, tu peux t'adresser à ces personnes comme si tu utilisais des baffles puissants. Là encore, l'eau jouait le rôle d'amplificateur et non de restituteur, mais d'amplificateur pour amplifier, impacter sa génération, pour amplifier l'onction que Jésus portait. Donc là encore, on voit l'eau, mais sous une autre forme, dans un autre ministère. Et lorsque Jésus-Christ va laver les pieds des apôtres, il prend une bassine, il y verse de l'eau. Et là, l'eau ne joue plus le rôle d'amplificateur, mais le rôle d'épurateur. Le rôle d'épurateur. Donc, on peut multiplier des exemples comme ça, où le Seigneur Jésus-Christ a manifesté de l'eau. Lorsque vous regardez, la Bible dit qu'on a porté un sourd-muet à Jésus-Christ, un aveugle, et sourd-muet, etc. Jésus-Christ a pris la boue, la poussière, et il a craché dessus. Or, nous savons que le crachat, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est l'eau que nous buvons, qui est transformée par les glandes salivaires. Donc, c'est de l'eau. Il a mélangé ça à la poussière, ça fait de la glaire, de la pâte. De la pâte. Et puis, il a pris de la glaise. Et il a pris cette glaise, il a appliqué ça sur la bouche et sur les yeux. L'aveugle a vu, et le muet a parlé. Là, l'eau joue le rôle de guérir, de restaurer la santé, de redonner le bonheur que nous avions perdu. Donc, on peut dire quoi? Le ministère de l'eau est très important dans la vie du croyant. Et c'est pour ça qu'en mourant, les deux héritages que Jésus va laisser sur la croix, c'est le sang et c'est l'eau. Cette eau peut symboliser l'esprit qui purifie, l'esprit qui guérit, l'esprit qui récupère à l'ennemi ce qui nous appartient pour nous le remettre. L'eau peut s'identifier à l'esprit. L'eau s'identifie aussi à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc cette parole de Dieu qui contient ses promesses, cette parole qui peut nous guérir, comme Psaume 107, verset 20 l'a dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc cette eau peut nous purifier, cette parole nous purifie, cette parole restitue ce que l'ennemi nous avait volé, cette parole amplifie nos vies dans notre génération, nous donne d'impacter notre génération, etc. Elle désaltère notre soif spirituelle. Donc ma prière pour toi ce matin, c'est que le Seigneur désaltère ta soif dans le nom précieux de Jésus. Par sa parole, que le Seigneur se manifeste, qu'il se glorifie dans ta vie et que l'Éternel manifeste sa gloire. Nous avons par exemple la piscine de Bethesda, on a la piscine de Siloé. Vous voyez, tout ça, c'est le ministère de l'eau qui s'est manifesté dans les Saintes Écritures. On peut encore multiplier des exemples comme cela. Et j'ai dit, c'est par l'eau que Pharaon a été vaincu, non par le bâton de Moïse. C'est l'eau qui a mis fin à l'esclavage d'Israël pour toujours. Donc ma prière pour vous, c'est que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne de comprendre les mystères du christianisme. Il y a trop de choses à savoir de Dieu. L'apôtre Paul a dit « Ek meros ginoskomen kai ek meros propheteu omen ». Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'en réalité nous ne connaissons pas Dieu. Paul l'a défini. Il dit que nous connaissons Dieu, mais avec les merous. Merous en grec, vraiment, c'est même insultant. C'est une petite
partie, une partie infinitésimale. C'est-à-dire que ça ne représente rien par rapport à ce que Dieu est. C'est une infime partie du tout que Dieu représente. Il y a tellement de choses que Dieu est, que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons pas jusqu'à ce que nous mourions. Vous voyez, tellement de planètes, des myriades et des myriades de planètes que Dieu a créées, on ne les verra jamais. On n'ira jamais là-dessus. C'est ça la réalité, c'est ça Dieu. On ne connaît Dieu que dans la mesure de la terre. La terre, même tu ne connais pas toute la terre. Je ne connais pas toute la terre. Les pays de la terre, tu vas mourir. Peut-être sans sortir même du Cameroun, tu n'auras pas vu ce que Dieu a fait dans d'autres nations. Voilà pourquoi il est tellement grand, notre Dieu. Il y a tellement de choses à connaître encore de lui. Tellement de mystères à nous être révélés. Ma prière, c'est que dans la mesure du possible et des mérous, Dieu multiplie les mérous dans nos vies, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Donc, ce dimanche, je vous invite à Douala. Déjà ce soir, nous allons clôturer, pas clôturer, ça veut dire que c'est, on va d'abord, c'est le dernier jour des 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce jeudi soir, viens avec ton eau ouinte à Douala, donc bon, derrière l'immeuble Kamlay. On va prier ensemble et on va boire cette eau. La semaine prochaine, on va encore attaquer lundi, mardi, mercredi, jeudi. On boit dimanche à Douala, 16h, service de lavement de pieds à Yaoundé. Viens avec tes enfants. Ne laisse personne à la maison. Même les nourrissons, comme Jésus l'a fait, nous allons le faire. Et la grâce qui a été sur les apôtres reposera sur nous et sur nos familles, sur nos enfants, sur nos épouses, sur nos maris, etc. Dieu veut laver la honte de dessus nos vies. Le thème de ce mois, Seigneur, ôte la honte de ma vie. Que Dieu ôte la honte de ta vie, la honte de ta carrière, de ton mariage, la honte de toutes tes entreprises, de tes projets, dans le nom de Jésus. Pour vous qui me regardez, Dieu ôte la honte de ta vie maintenant. Toute situation qui a porté la honte dans ta vie, au nom de Jésus, le Seigneur ôte cette situation. Et tous ceux qui ne seront pas avec nous, dans la salle, en direct, on va aussi procéder au lavement de pieds chez vous à la maison. Tenez-vous prêts avec une bassine, avec de l'eau. Je vais prier sur cette bassine et je vais prier. Vous allez laver vos pieds et Dieu se manifestera avec autorité. Tous les partenaires internationaux, vous savez que samedi le 6 mars, j'ai une conférence virtuelle en ligne avec tous les partenaires. Donc appelez les numéros, nos numéros qui s'affichent sur Zoé Channel. Hein, il y a des numéros et sur les annonces que j'ai faites avec Mama, Moukoko et Mungue. Maman Eugénie et Mungue Sopo. Épouse Moukoko Poli. C'est-à-dire que toi-même, tu vois le nom, tu comprends que c'est le seul nom par lequel tu t'envoies l'argent. Et nous avons Madame Mireille Rose Mousseni Otam. On ne choisit pas les noms, les petits noms devant lesquels les démons vont dire n'importe quoi. C'est-à-dire le nom, tu proclames le démon, il fuit d'abord, les babous se coupent, il oublie ça. Donc, voilà les deux seuls noms par lesquels vous pouvez envoyer votre contribution. Appelez à ces numéros, inscrivez-vous, on vous donnera le mot d'habilité, inscrivez-vous et samedi le 6 mars, moi-même, je vous appelle, appel vidéo. Et nous avons des séances de prière. Je vous écoute, nous parlons de long en large et je prie avec vous et je vous donne la parole de l'Éternel. Je vous annonce les choses qui doivent arriver dans votre vie d'après la parole que le Seigneur m'aura donnée. Donc voilà ce que nous allons faire samedi le 6 mars. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous voulez être un partenaire international, mais si vous êtes national, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la ville de Yaoundé. Même étant dans la ville de Yaoundé, vous voulez participer à ces séances vidéo. Alors, s'il te plaît, inscris-toi dès maintenant et la main de Dieu se manifestera dans ta vie. La confusion s'éloignera de toi et Dieu ôtera la honte de ta vie. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Ce vendredi, nous avons à la Bire atmosphère de miracle à partir de 16h. Yaoundé sera en feu. Yaoundé sera en feu. Yaoundé sera en feu. Vendredi, 16h. À la Bire, la gloire de Dieu touchera en Kouaban. L'église est en Kouaban. Quand vous êtes au Carrefour Kouaban, demandez qu'on vous laisse à la Bire. Quand vous le faites, que Dieu vous bénisse. Dimanche, 7h, 10h. Si tu ne prends pas de bus, tous ceux qui ont leurs moyens, s'il vous plaît, prends ton taxi à 6h, viens, fais le premier culte. Les bus arrivent parfois à 8h, on fait le deuxième culte et chacun rentre chez lui. Que Dieu te bénisse et rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. Shalom, shalom, shalom.